Bienvenue, chers frères, chers présidents, et merci aussi au président, à notre président, Amadou Diaby, qui a un carnet d'adresses, qui a des amis, qui connaît le système et l'écosystème du football africain, qui nous permet de ramener des noms comme ça, et qui va permettre aussi de construire ce club. Donc je vous laisse la parole, président. Président, allez-y. Je vous laisse l'honneur. Non, non, président, s'il vous plaît. Bon, moi je dirais que c'est votre grand frère qui est venu vous rendre visite. C'est pas donné à tout moment de voir des icônes comme ça. Et pour une petite histoire, Samuel, c'est pour moi un frère parce qu'il me l'a toujours montré. Aujourd'hui, il le montre encore parce qu'il sait que cette histoire de Vita Club, je lui avais parlé depuis très longtemps. Il m'avait fait partie des personnes qui nous ont beaucoup encouragés et qui me soutient beaucoup dans l'homme d'ailleurs. Donc il ne peut pas être à Kinshasa, n'est pas venu de rendre les visites. Donc on est très heureux. Et je me joins vers vous pour lui souhaiter les bienvenus et je demande à bon Dieu de le protéger. Merci, c'est tout le monde. Merci beaucoup les gars. Là, je ne parlerai pas en tant que président de la Fédération Camerounaise de football. Je parlerai en tant qu'ancien joueur. Je dirais même en tant que joueur de football. J'ai eu la chance à une époque de ma vie de jouer contre votre coach. Et c'était une très très belle période de ma vie. Mais maintenant, nous ne pouvons plus jouer. Et j'aime pas souvent donner des conseils aux joueurs parce que j'ai été là. Je sais plus ou moins ce qu'un joueur peut penser. Il y a des petites choses que vous devez avoir avec vous. Et ces choses ne trompent pas quand on veut gagner. Amadou, votre président, c'est un frère, c'est un ami. Hier, quand je suis arrivé, direct, on a commencé à parler le club et voir comment on peut vous accompagner pour que vous rendez ce club à la place qui est la sienne. Ça ne sera pas facile, on va beaucoup vous demander, mais la chance que vous avez un bon staff. Vous savez, quand on est assis de l'autre côté, je sais, on dit qu'ils sont chiants. C'est vrai, moi je le disais tout le temps. Mais à la fin de la journée, vous vous dites, si je veux devenir meilleur, si je veux aider mon coéquipier, si je veux apporter ma contribution pour gagner, il faut écouter ces gens-là. Mais quand ils ont fini de vous entraîner, ils commencent à regarder d'autres matchs pour vous donner des conseils. Et c'est là où c'est intéressant. Quand vous rentrez déjà dans un stade de football, avec la qualité qui est la vôtre, et vous avez les bons conseils, vous n'allez que faire la différence. Vous avez l'expérience ici. Si vous avez vous posez des questions, ils sont juste là. Si votre coach, le staff, ils ont besoin de nous, le président va m'appeler, je suis à 2 heures de vol et je viendrai. Je viendrai. Mais Vita, le maillot que vous portez, c'est un maillot important. Je ne sais pas s'ils connaissent l'histoire de ce club. Vous connaissez ? Il faut qu'on vous parle de l'histoire de ce club. C'est un club très très important pour nous Africains. Et je suis quelqu'un qui aime profondément notre continent. J'ai vu quelques vidéos que le président a partagées avec moi le jour où vous présentez. Vous avez vu les attentes de ce public. N'ayez pas peur. Faites juste ce que vous aimez le plus faire. On joue au football. Et le reste, nous allons essayer de vous accompagner du mieux que nous pouvons. Je terminerai pour ne plus être bon, en souhaitant beaucoup de courage, bonne chance, pas de blessure. Et surtout, soyez une bande de copains. Merci.
À chaque début de préparation de l'OPA Karaté pour une compétition continentale, le président de la Fédération des Karaté d'eau du Congo effectue toujours une descente sur les lieux d'entraînement afin de galvaniser les troupes. Donc 22 jours pour eux, et vous allez passer pour les camions sur tout ça. Parce que je continue à leur dire d'augmenter l'intensité d'entraînement, tension et à ma casse. Ça doit être douloureux pour que nous ayons la joie. 2 ou 8. Pour tout savourer, il va bien, il faut que ça passe minimum. Fini la causerie, place aux exercices physiques. S'en est suivi de la partie technique. Ces groupes, composés d'une trentaine de karatékas, préparent les championnats d'Afrique cadets, juniors et U21 prévus du D 8 septembre 2024 à Tunis. Ce rendez-vous est très attendu par Johan Pambalou, médaille d'argent dans la catégorie des moins de 54 kilos lors des championnats d'Afrique région centre qui s'est tenu récemment au Cameroun. Nous travaillons dur tous les jours pour pouvoir être à la hauteur de vos attentes. Parce que là-bas, nous devons travailler beaucoup plus dur. Ça ne sera pas de la rigolade, mais nous serons prêts. Le championnat d'Afrique centre, c'était ma toute première sortie en tant que représentante de l'équipe nationale catégorie cadet. J'ai fait de mon mieux et j'ai ramené 2 médailles au pays. Et j'espère que pour ma 2e sortie en Tunisie, je fasse encore mieux. Décrocher une médaille d'or au championnat d'Afrique, c'est les rêves de Maître Freddy Lakombo, président de la FECACO et de toute son équipe. Voilà pourquoi ils ont renforcé les staffs techniques en intégrant Maître Laurent Prosper Chimbalanga pour atteindre cet objectif. Celui-ci s'occupera des léopards U21. Je viens d'intégrer le staff technique de la Fédération de Karaté. Je vais me concentrer dans la préparation de l'équipe de I21 parce que nous sommes en préparatif de la rencontre qui va avoir lieu à Tunis. Alors nous avons une vingtaine de jours de nous préparer. Alors pendant cette période, nous nous concentrons pour donner une forme qui convient afin que nous puissions ramener de médailles dans notre pays, parce que nous n'allons pas en promenade. 20 jours de souffrance et de beaucoup de sacrifices qui attendent les léopards karaté de la RDC afin de rehausser leur niveau et d'être prêts les jours du voyage prévu le 1er septembre prochain. C'est mercredi 31 juillet 2024 au village de jeu, le comité olympique congolais en sa tête. Le très dynamique Marcel Amos Mbayo-Kitenge qui avait à ses côtés ses pairs membres du comité exécutif. Le secrétaire général Alain Badachile Kayachi, le docteur Ngebe Mubiala, Pichu Bolenge, Christian Matata, Jean-Claude Eyalé, le comptable Gustave Monseboula a fortifié les athlètes qui sont passés à la trappe et encouragé le reste encore en lice. À Saint-Denis, le comité olympique congolais n'est pas venu main vide, mais avec les frais d'émission du gouvernement qui a gonflé les morales des athlètes, mais qui ont regretté tout de même l'absence de la préparation adéquate. À l'image de la pugiliste Marcela Sakobi, qui jusque-là a du mal à digérer l'injustice dont elle a été victime lors de son combat. Au nom des athlètes et du staff technique, la boxeuse Marcela Sakobi a remercié le gouvernement de la République et le comité olympique congolais pour cet acte. Merci. D'abord, notre premier sportif, OESA, son excellence, M. Antoine Félix Tshisekedi. Nous avons représenté le sportif. Ministère du Sport, Comité Olympique, Fédération, Nabissonia sur RDC.
na kozwa initiative oyo ya koya ko soutenir biso pendant ba compétition oyo toyé lelo ça donne ce que ça donné mais au moins toza na esengo comment na ke ba réaliser ba promesse oyo ba pesa ki biso. Du coup, Congo est à la gauche, à droite, à la baquette, à la baquette, à la côté, à la liberté. Aujourd'hui, nous sommes convaincus avec la présence de notre président, qui est notre daddy, notre papa, notre président Amos Mbayo, qui est avec nous ici présent. Il y a des frais de mission, des primes, des salaires, tout ça. C'est au moins si je peux collaborer mon temps. C'est clair parce que les Congolais ont la vérité. Aujourd'hui, chaque athlète a eu 5 600 € et les coachs ont eu 5 200 €. Mais les athlètes sont privilégiés que les chefs qui sont avec nous ici. Merci beaucoup. Je demanderai au gouvernement congolais d'aider les athlètes congolais qui ont déjà des talents naturellement. Et si on ajoute encore les stages, on aura vraiment une médaille. Moi, Marcella, personnellement, j'étais déterminée d'aller loin si je n'allais pas avoir les médailles, mais de passer même 3 combats ou 2 combats. Si aujourd'hui tout le monde a regardé les combats de Marcella Sakobi, j'ai été éliminée à la première tour comme à tout que je n'ai pas voulu. Et au coup ça la mélanga bon. Ils ont peut-être moi tout bah erreur beaucoup y'a manqué. En cas de légalité, ce sont des juges qui vont juger de donner les points na mutu au bango balingi. Les juges ont donné na adversaire nanga. C'est pourquoi on a aussi un stage. Vous pouvez s'abuser au stage. Gouvernement congolais azala. Accompagné dans le ministère du sport, dans le comité olympique, parce que Batine d'Arabie sur le stage avant. Marcel Amos Mbayo Kitenge, président du comité olympique congolais, quant à lui, a lancé un appel à la nation pour une union autour des athlètes qui sont encore à lice. Non, le jeune va se battre, c'est une battante. Elle est concentrée, elle ne voulait même pas sortir, elle était dans sa chambre parce qu'elle tient à faire de prouesses demain. Donc toute la République est derrière elle, nous comptons sur la grâce et la faveur de Dieu, elle fera des merveilles. Il s'en est suivi d'une balade en famille entre le comité exécutif du comité olympique congolais et la team RDC au village de Jeux à Paris. Pour le reste, la République du Congo attend ce mardi les prestations de Aristote Ndombe en natation et de Brigitte Mambi en boxe. Croisons les doigts.
Volleyball Club La Loi s'empare du fauteuil du leader à l'issue de la première partie du championnat de l'Anton Turbain de volleyball de Kinshasa avec 16 points après 6 matchs joués et 5 victoires contre la Gracia vice-championne. De l'Evokine, Kano Denjili. Le club New La Loi. Ouragan, sans oublier les niques de fête enregistrées contre police. Et Quarit News sur la première partie du championnat, Bob Bassois nous fait le point. Oui, évidemment, on avait l'objectif au Toloba qu'il faut conserver notre titre. Et Rwanda qui fait déjà bien, mais on a eu la défaite et il permettait qu'il puisse abuser tout le monde à le soubérer et télé au Toloba qui l'a mot. Et nous avons voulu maintenant, dans la phase retour, il y a retravaillé par rapport à Berrer pour tout le monde qui est dans la phase aller. Et permettre que Bissot qui est à la Seco au top dans la phase retour. Parce que nous avons vu au Moninere Zalaki, saison passée, on n'avait pas eu la défaite. Et cette défaite, il y a phase allée et permettre que Bissot corriger sous ce mot belé dans la loi. Ici la loi s'est remis au travail question de fermier lors de la seconde partie du championnat.